Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Cinejin qui est là pour proposer le journal du mercato d'aujourd'hui avec donc du Paris Saint-Germain. On ira voir ensuite l'Olympique de Marseille. Alexandro, joueur de la Juventus de Turin, pour terminer avec Diego Costa. Mais débutons donc avec le Paris Saint-Germain qui a donc décidé de prolonger le joueur qui prolonge quasiment tous les ans, tous les 6 mois. Oh, allez, tous les mois, on est gentil. Non, parce que pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Marco Verratti a prolongé très récemment. Il a prolongé en août 2016. Et il s'avère que durant l'année, même durant les... L'agent a beaucoup parlé, pas toujours en bien. Marco Verratti a beaucoup parlé, pas toujours en bien. Et donc, eh bien, il est à la réponse a été donnée lors d'une entrevue entre avec Antero Henrique, Nasser El-Khelaifi et Unai Emery. La décision a été donnée. Marco Verratti veut quitter le Paris Saint-Germain. Et oui, voilà, ça a été une annonce. Et donc, eh bien, la réponse du Paris Saint-Germain, qui aurait pu bien bomber le torse, montrer justement eh bien, que le club parisien était quand même une sacrée institution et qu'on ne fait pas ce qu'on veut impunément, eh bien, la réponse du club parisien a été, et je cite, « Non, ne pars pas, s'il te plaît, Marco. Je vais te faire une prolongation de contrat encore. Tu toucheras beaucoup plus. » Et tu sais quoi, t'auras une petite année de plus, s'il te plaît. Voilà un petit peu ce qui a été dit, enfin voilà. Contrairement à d'autres clubs qui auraient, tout ça que je vais citer bien après, qui auraient bien évidemment montré leur fierté et bombé le torse, eh bien du côté du Paris Saint-Germain, on ne bombe pas le torse, on baisse son froc et on montre tout simplement aux joueurs qu'ils sont tout simplement les rois de la division. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Bon, en tout cas, du côté du PSG, on voudrait récupérer Kylian Mbappé. Moi, je propose qu'on remplace la Tour Eiffel à la Tour Mbappé. Hein, on sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, il viendra plus facilement. Surtout que Monaco et Paris ne sont pas très copains en ce moment. Bon, allez, on va continuer avec l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, bien sûr, qui, eux, voilà, t'as un directeur sportif et un entraîneur qui travaillent main dans la main. Il n'y a pas un président qui fait chier le monde. On va dire que du côté de Zubillarreta, en tout cas, il a plusieurs pistes. En tout cas, les deux pistes qui devraient se faire très prochainement sont une ancienne connaissance, bien sûr, c'est Steve Mandanda. A priori, il faut juste qu'on mette d'accord avec Crystal Palace. Et l'autre côté, eh bien, vous avez le deuxième que j'ai oublié. Ah oui, Valère Germain, c'est quasiment certain aussi. Il faut juste se mettre d'accord avec l'AS Monaco. Gomis est vainqueur aussi. Alors après, il faut juste discuter transfert. Sachant également que Bourgomis, Galatasaray est dessus. Au rayon des départs, seul pour l'instant Karim Rekik est partant. Il devrait aller à Hertha Berlin pour la somme de 2,5 millions. Du côté de Doria et de, du deuxième, dont j'ai oublié le nom, Doria et Clinton Inge, eh bien on devrait attendre un petit peu pour savoir ce que pensent les dirigeants marseillais. On passe maintenant à Alexandro, le joueur de la Juve qui a été finaliste et qui donc connaît très bien le entraîneur de Chelsea, Antonio Conte. D'ailleurs, après Bonucci, maintenant c'est bien sûr Alexandro hein, qui est pressenti pour venir à Chelsea. Le club va proposer 50 millions d'euros à Bianco Neri. Il s'avère que pour le moment, eh bien, ça a été la vieille dame a dit tout simplement non, il ne partira pas à Chelsea, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Ça s'appelle la fierté, chose que les dirigeants parisiens n'ont pas eu pour le moment. Bon, allez, on va terminer maintenant avec Diego Costa. Vous le savez, hein, il va quitter le club, au moins au PSG, au moins on va dire à Chelsea quand l'entraîneur dit je n'en veux pas. Eh bien, le président fait pas chier le monde, mais en tout cas, eh bien, Antonio Conte devrait eh bien décider voilà, que Diego Costa ne serait plus le bienvenu. La somme des transferts est dérisoire, hein, 30 millions d'euros pour un joueur titulaire qui a marqué bon nombre de buts, c'est quand même peu. Et donc, eh bien, il voudrait... le Milan AC est dessus, voilà, c'est mieux de dire dans le sens là. Le Milan AC est dessus, c'est pas le montant du transfert qui gêne, c'est plutôt le salaire. 230 000 euros, c'est demandé du côté eh bien, du clan Costa. Le petit souci maintenant, c'est de savoir si le PSG sera d'accord. Enfin, le PSG, décidément. Le Milan AC, enfin, le Milan AC est pas très, voilà, est pas très chaud pour récupérer, eh bien, Diego Costa à ce salaire-là. Mais les négociations ne sont pas rompues et on continue encore à discuter entre les deux parties. D'ailleurs, bien sûr, à la différence du PSG, ils auraient proposé 230 000. Oh, ben d'accord, je t'offre 230 000, y a pas de souci. Et oui, ça s'appelle baisser son pantalon. Un Nasser. Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin du journal du Mercato. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Alors oui, c'est vrai, ça a été la Saint-PSG aujourd'hui, mais d'un côté, ils l'ont bien cherché. Bon allez, prenez soin de vous, prenez des pare-pas bons et bien, et ciao tout le monde!